revoilà l'Écosse dans les rues de Lorient avec le Glencore Spike Band, un groupe qui a été élu 4 fois champion d'Écosse de cornemuse. Ils ont même eu l'honneur de se produire devant la reine Elisabeth à plusieurs reprises, notamment lors des Highland Games. C'est cette compétition qui met à l'honneur les sports traditionnels écossais, dont le tir à la corde et le lancer de tronc d'arbre. Alors il est donc temps de lancer le Glencore Spike Band. Voici l'Écosse. Et voilà les amis, la grande parade des nations celtes, c'est terminé pour cette année. Mais tous ces groupes seront de retour dans quelques jours sur France 3 pour le grand spectacle du Festival Interceltique. Notez bien, ce sera le mercredi 14 août à 21h sur France 3. Toutes les nations celtes seront là pour faire la fête. Et j'espère que vous aussi, merci à tous les artistes qui ont défilé cet après-midi, 3000 artistes dans les rues de Lorient. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à 17h50 sur France 3 pour le Grand Slam. En attendant, Kenavo et vive l'Interceltique.